Yadan à tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale car nous allons relooker une très jolie jeune femme. Et pour ce relooking, nous avons eu la chance de travailler avec deux partenaires dans le nouveau centre commercial Tamanu Hotu à Funaoya. Deux partenaires très spéciaux qu'on voudrait remercier chaleureusement. Pour les chaussures, les accessoires et les vêtements, on a l'immense joie de travailler avec Expresso. Et aussi pour la coiffure, nous remercions Enjoy Coiffure qui va sublimer la modèle. Évidemment, pour le make-up, notre professionnel, notre magnifique Sissi Blumenstil. Voilà, alors vous avez été nombreuses à nous envoyer vos candidatures. On a dû en choisir une malheureusement parmi vous toutes. Petit disclaimer, on n'est pas des pros de la mode, ok, on n'est pas des Christina Cordula, d'accord? On a juste envie de faire kiffer l'une de nos abonnées pour cette journée, passer avec nous et on est trop heureux de pouvoir accueillir notre petite modèle du jour et je vous laisse avec son portrait. Alors, je suis Cassandra Robin, j'ai 20 ans. Oh, t'es jeune! Merci! J'ai été au lycée agricole de travaux, j'ai fait un bac scientifique et après je suis devenue maman. D'accord. Du coup j'ai arrêté mes études. Écoute, c'est le plus beau métier du monde, il paraît. Ah oui. Tu as combien de bébés? Alors j'ai deux petites filles. Oh trop chou, quel âge? L'aînée va avoir 2 ans et ma cadette elle aura 1 an. Yep. Ok, trop bien. Et dis-nous, c'est quoi ton conseil pour rester mince comme tu es après Faites deux bébés? Faites attention à ce que vous mangez. D'accord. Un petit peu, mais je suis surtout hâte. Ouais. C'est une expérience à vivre. C'est clair. Du coup, bah, je suis trop contente que vous m'y choisissiez. Oui. En ce moment, je fais pas trop. Je suis plus consacrée à mes enfants, mais sinon, vu que je suis toute petite, je pratique le Ohitahiti. Surtout à Hutu. Eh oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Surtout, avec on a fait des shows paquebots incroyables. Merci. T'es prête pour le relooking? J'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je serai votre voix off. Et on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Cassandre est une très jolie jeune femme et maman. Elle est très grande et fine. Tout lui va, absolument tout. Et même si des vêtements ne nous vont pas, tant qu'on est bien dedans, c'est tout ce qui compte finalement. Nous avions pas mal de choix pour Cassandre, mais avec l'aide de la manager d'Expresso, nous lui avons concocté une tenue qu'elle n'a pas l'habitude de porter et qui change de l'ordinaire. La boutique Expresso nous a mis à notre disposition tout ce qu'il nous fallait pour sublimer notre beauté du jour. Nous avons donc opté tout d'abord pour une combi pantalon bleu marine avec sa petite ceinture pour marquer la taille fine de Cassandre. Les couleurs froides lui vont parfaitement au teint. En devenant maman, elle a troqué ses talons contre des chaussures plus confortables. Mais aujourd'hui, talons oblige. Nous avons choisi une paire de sandales à talons vertigineux de couleur nude avec une petite lanière pour maintenir son pied. Elle peut se le permettre car elle a des chevilles et des jambes fines. Pour réchauffer la tenue, nous avons choisi une magnifique pochette avec chaîne dorée imitation peau de serpent. Pour accessoiriser le tout, cette chaîne tendance à maillot large doré et keshi et cette magnifique paire de boucles d'oreilles avec nacre gravé. Vous pouvez encore une fois retrouver tout cela à la boutique Expresso de Punaoya, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 13h. On se voit dans quelques instants pour découvrir la tenue de notre belle. En attendant, passons juste à côté. Si vous ne le saviez pas, il existe 4 salons Enjoy Coiffure. À Papeete, à Taunoa, à Mahina et celui de Punaoya, à côté d'Expresso. Qui est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h, avec ou sans rendez-vous. Cassandre a de longs cheveux naturels, épais et sans coloration. Ils sont déjà très beaux. Mais aujourd'hui, c'est notre coiffeuse et gérante Malvina qui va s'occuper de la chevelure de Cassandre. Allez hop, au bac! On va commencer tout d'abord par lui nettoyer les cheveux avec un shampoing antipelliculaire, naturel et vegan de chez Eugène Perma, marque française créée en 1919. Après cela, place à la pose du masque anti-frisotti de la marque Orofluido. Ce masque va poser quelques minutes pour rendre plus souple et pour bien nourrir les longueurs de Cassandre. Justement, Cassandre souhaitait garder ses cheveux longs. Malvina va juste égaliser ses longueurs. Pour structurer son visage,
on va lui faire un petit dégradé de bordure. Et enfin, on sèche et on procède à un brushing souple pour garder son volume et sa belle chevelure soyeuse et brillante. Bon, ma Cici, on fait quoi aujourd'hui pour notre modèle? Je sais pas, non. Alors, on va faire un maquillage assez chic, assez chargé quand même. On va pousser un peu le maquillage plus pour la soirée, quoi. D'accord, ça marche. Cassandre a un très beau visage, une très belle peau. Et justement, celle-ci est normale à tendance sensible. Il faut donc veiller à ne pas appliquer de produits irritants sur elle. Elle n'a pas d'imperfection, pas de pores visibles. Mais elle a une peau cependant qui est très fine et qui laisse apparaître quelques veines sur la paupière et sous les yeux qui sont tous deux des parties très fines du visage. Cici va tout d'abord lui appliquer une crème hydratante sur l'ensemble de son visage. Elle commence par lui appliquer une base sur toute la paupière pour l'unifier et cacher les petites veines bleues. Elle va ensuite lui appliquer un fard de transition marron dans le creux de paupière qu'elle va venir intensifier avec un marron un peu plus soutenu. Regardez déjà comment ça donne de la profondeur au regard. Puis on va cutter le crease, littéralement ça veut dire couper le pli. C'est une technique de maquillage qui consiste à faire un coup de propre sur une partie de la paupière mobile en appliquant une base et ensuite un fard irisé. Là, Cici décide de mettre deux fards irisés dorés un petit peu différents, l'un tirant vers le jaune et l'autre vers le cuivre. Un coup de mascara et on pose des faux cils pour un regard glamour, on adore. Cassandre a des très beaux sourcils naturellement bien fournis. On va juste venir combler les quelques manques qu'elle a. Lorsqu'on redéfinit les sourcils, ça change vraiment tout le visage. C'est une étape obligatoire. Évidemment, il faut respecter la couleur du sourcil pour un effet beaucoup plus naturel. On passe maintenant à l'étape du teint avec l'application d'un fond de teint fluide pour unifier le visage de Cassandre. Bronzer pour réchauffer son visage, blush pour rehausser les pommettes et donner un coup de frais au visage. Highlighter pour la touche finale qui fait toute la différence. Et on revient aux yeux. Non, on n'a pas terminé. Et à la partie pas très marrante du make-up, une zone très sensible et où on a toutes pleuré. Si, on y est toutes passées, mais Cassandre a géré. Pour un rappel avec sa tenue, Cici décide de lui appliquer un crayon bleu marine dans la muqueuse et au ras de cils inférieurs qu'elle va estomper à son fard de transition marron. Et pour intensifier le tout, elle va appliquer un fard irisé bleu marine magnifique. N'hésitez pas à reproduire cette technique lorsque vous avez la paupière maquillée dans des tons neutres, plutôt marron, beige. Amusez-vous à apporter une touche de couleur, une touche de fun au ras de cils inférieurs. Ça fera tout son effet. Et justement, regardez le résultat magnifique sur Cassandre. Bouche nude, tout se passe dans le regard. Bravo ma Cici, et justement, n'hésitez pas à la contacter sur Facebook. Je vous mets son lien juste ici pour des make-up de journée comme des make-up artistiques. Elle sera là pour répondre à toutes vos demandes. Regarder. Et elle est trop belle. Ça change d'avoir la couleur en bas comme ça. Voilà, merci beaucoup Rouleau, tout le monde d'avoir suivi la vidéo. On espère vraiment que le look vous plaît dans sa totalité, c'est-à-dire le make-up, la tenue, les accessoires. Et toi, est-ce que Cassandre, est-ce que tu aimes? Est-ce que ça te plaît?
J'adore cette tenue et je remercie Flo et Sissi pour cette matinée. Merci à toi, Gaston, d'avoir passé un petit, enfin, d'avoir pris quand même de ton temps pour venir. Merci beaucoup. Merci aussi à Enjoy Coiffure pour tout le travail qui a été fait sur ses cheveux et à la de nous avoir aussi prêté son espace pour pouvoir maquiller complètement cette beauté. Et merci à la boutique Expresso, également Expresso de Punaovia, pour nous avoir accueillis aujourd'hui dans ce superbe endroit. C'est vraiment magnifique. Et si vous voulez retrouver ces boutiques, encore une fois, elles sont situées au nouvel immeuble Tamanu Hotu à Punaovia. Vous avez incrusté quelques vidéos pour vous expliquer où c'est très très facile. Et surtout, il y a un grand parking et il n'y a pas besoin d'aller en ville. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vraiment prenez soin de vous. Cassandre, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Tu le mérites, t'es une très belle jeune femme. Tu es une très très belle maman et je t'encourage pour tous tes projets futurs. Voilà. Merci à vous. Merci. Et les bruits fait comment est la vie, comment est la vie, comment est la vie, la vie, c'est comme une, deux, ce deux, le à la vie, le, comment est la vie.